Pack your bags, let's go. First thing tomorrow morning, say goodbye to all that we know. Leave a note in your room as a warning that you took a lifelong vacation, and you probably won't return home. Don't care about the destination, as long as we are faire bonne figure, regarder Brest dans les yeux, en tout cas dès le début de match. Après, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je pense qu'on était bien dans cette première mi-temps et on fait quelques erreurs techniques, on perd quelques ballons sur des choses plutôt simples et du coup, bah, face à une équipe comme ça, on est très vite sanctionné. Donc on bascule à moins 2 et c'est un peu dommage parce qu'effectivement, je pense qu'on avait fait plutôt une bonne première mi-temps dans l'ensemble, on les avait plutôt bien ennuyés et peut-être que ça aurait été un peu différent si on avait réussi à basculer à un match nul ou un peu devant. Et ce qui a été appréciable, c'était ce début de deuxième mi-temps. L'année précédente contre Chambois, on a toujours des problèmes au début de deuxième mi-temps. On était capable de faire un écart conséquent et à un quart de la fin, on était à plus 9. Ce qui augurait pas forcément d'une victoire, parce qu'on ne sait jamais, mais c'était bien engagé en tout cas. On a dû beaucoup se bagarrer pour revenir, on revient à 4 buts à 10 minutes de la fin, donc c'est dommage parce qu'on a dépensé beaucoup d'énergie pour revenir et qu'au final, c'est compliqué de repasser. Et puis quand on repère un ou deux ballons par manque de lucidité à la fin, on est sanctionné et du coup l'écart est un peu large. Cette victoire, elle fait plaisir. Je pense qu'on a été la chercher. Je pense qu'on fait un match complet ou presque complet avec une petite frayeur en fin de première mi-temps. Mais je pense que mine de rien, on s'est accroché, on ne les a pas laissés revenir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un résultat positif. Je pense qu'on a toujours une marge de progression. Je pense qu'on crée certaines affinités. Je pense qu'aujourd'hui, on en a des belles, mais je pense qu'on peut encore peaufiner encore plein de choses, notamment en défense, peut-être mettre un petit peu plus d'activité et d'agressivité, parce que je pense que contre Rostov, par exemple, samedi, ça va être une toute autre agressivité, mais je ne me fais pas de soucis, je pense qu'on va se mettre au niveau. Super victoire, ça fait plaisir de gagner de 7 buts aujourd'hui, parce que des fois, on a un peu de mal à garder l'écart qu'on crée, et du coup, là, c'est vraiment une bonne chose pour nous. C'est bien. On voit qu'on a progressé dans notre jeu. Ben, là, on voit qu'il y a des choses qui se créent quand même, parce que comme on voit par exemple la dernière action, un Kung-Fu, donc ça clôture le match, c'est super. Il y a des petites choses comme ça qui commencent à vraiment arriver dans le groupe, donc ça se met en place vraiment, et puis la Ligue des Champions arrive, donc il faut bien que ça se mette en place, quoi. Ouais.